שסחיים מימצו ורחוק מפנימים מחרום בוטח בו לבנלום ושלום ושלום לא יחזור שקל אחר On va faire une petite étude sur l'enseignement de Rabbi Nachman, à savoir comment se comporter quand ça va et quand ça va pas. Ça m'a vraiment besoin. Il est écrit dans les Likutei Moharan, Siman Tebet. Il rapporte un passage du Chumash, de la Torah, qui était Tse la Milchama al Oivecha. Quand tu vas sortir à la guerre contre tes ennemis, Venatano Hashem Elohecha Beyadecha Veshavito Shevion. Alors, Dieu il va te donner la guerre entre tes mains, c'est-à-dire je vais gagner la guerre, Veshavita Shevion, et tu vas faire des captifs. C'est une paracha que l'on lit en été, paracha de Devarim, Kitetse, elle s'appelle Kitetse la paracha. Et voici ce que Rabbeinu il dit dans l'Écouté Moharan au sujet de cette paracha, de ce le verset de la Torah. Donc, chez Oler, la dame, chez Loke Seder. Donc, je vous rapporte d'abord l'Écouté Moharan. Donc, chez Oler, la dame, chez Loke Seder. Et quand ça ne va pas pour l'homme, c'est-à-dire chez Loke Seder, ça ne va pas dans le bon sens. Zehu itnagdu taratson. Ça s'appelle que ça va contre sa volonté. C'est-à-dire, les choses ne vont pas comme elle veut. Comme on dit, ça va comme tu veux. Donc, ça, non, ça va pas comme je veux. Donc, ça va contre la volonté, ça s'appelle l'okeseder. Akol beseder ? Oui, c'est ça. Akol beseder, akol beseder. Quel akol beseder ? Si on parle de ce seder-là, il y a un ordre. On parle de cet ordre-là qui nous envoie à la volonté. C'est-à-dire, quand c'est que seder, ça veut dire comme je veux, ça va comme tu veux. Et quand c'est l'okeseder, ça veut dire ça va pas comme je veux. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפר, שלא כסדר. Moi, je veux que ça soit comme ça, c'est le contraire, c'est pas comme je veux. וזה בחינת מלחמה. Alors, c'est ça qu'on appelle la מלחמה. C'est ça qu'on appelle un état de guerre. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון. Parce que toute guerre, c'est quoi? C'est le contraire de la volonté de la personne. ou בחינת שלא כסדר. Donc, c'est ça qu'on appelle le contraire du seder. Vezeu kitetse la milchama. Donc c'est ce qu'on dit quand tu vas sortir en guerre. Que she'oler lecha shelo keseder. C'est-à-dire que quand tout n'est pas comme tu veux, tout n'est pas dans l'ordre. Venatano Hashem Elokecha beyadecha. Alors Dieu il va te faire gagner la guerre. She'itbatel kol retzonot neged retzonecha. Il va faire en sorte que tout ce qui est contre ta volonté va devenir ta volonté. Sheyeler lecha keseder kirsonecha, que tout aille dans l'ordre comme tu veux. Et matay veshavita shivyo. Quand est-ce qu'il va te livrer la guerre entre les mains? Quand est-ce que tu vas gagner la guerre? Au moment où tu vas faire des captifs. Que shetiye bechinat mem he. Alors là, ça complique un petit peu. Vous allez comprendre après. Quand tu vas rentrer dans les catégories de Memhe, c'est 45, valeur numérique 45. Que Shetam Shir Lecha Elokut Avaya Bemilul Alpin.
Alors, vous avez le nom d'Hachem, Yud, He, E, Vav, et He, Yud, Ke, Vav, Ke. Bemilouï, ça veut dire que vous écrivez le Yud, Yud, Dalet, vous écrivez le He, He, Aleph, vous écrivez, voilà, en entier. Alors, la valeur numérique du nom d'Hachem écrit de cette manière représente 45. D'accord? Vezé, Perush, Mahashava, Hachov, Ma. Mahashava, qui est la pensée, il faut le découper, la découper d'une autre manière. Mahashava, Hachov, Ma. Pense au Ma, même He. Il va expliquer. Hein, que chez tes cachets, le Mahashavatecha est le couteau. C'est-à-dire que quand tu vas attacher ton esprit à la divinité, à la présence d'Hachem, qui se rapporte au verset le roi qui est enfermé dans Ra'etim, ça veut dire c'est un principe qui court. Ra'etim ochen deler, c'est-à-dire dans ta pensée qui est toujours en train de courir, parce que la pensée est toujours en train de courir. Ça veut dire c'est l'explication de tu feras des captifs, c'est-à-dire que tu vas faire venir le même he, c'est-à-dire la valeur numérique d'Hachem dans ton esprit, c'est un peu de la Kabbalah, c'est-à-dire que tu vas faire venir la présence d'Hachem dans ta pensée. Parce que toute chose qui vient d'en haut prend le nom de Chevi, dans ce sens-là, prisonnier, pas assourd, mais Chevi. Il vient d'en haut et il est enfermé en bas, ça s'appelle Chevi, captif. Tu es monté dans le ciel, tu en es un captif. On parle de Moshe Rabbeinu quand il était chercher la Torah très très haut. Il a emmené la Torah dans ce monde-ci. La Torah s'appelle Chevi. Et par ce fait-là, par cette action-là que tu vas faire, tu vas gagner toutes les guerres. Et toutes les volontés qui sont contre toi, elles vont s'annuler. Elles vont devenir ton ratson. Elles vont devenir ta volonté à toi. Donc, à collier Bessel. Dans le fait qu'il dit que la Torah elle s'appelle Chevi, c'est un concept qui est très très élevé. Enfin, Moshe Rabbeinu, il est allé, il a pris la Torah dans l'endroit, dans le monde céleste, dans l'endroit très 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 haut, et il a descendu dans ce monde. Bien sûr que nous on connaît la Torah avec les histoires du Chumash, comment la création du monde, Abraham Avinu, le Shidour avec Rachel, d'histoire. Elle s'habille de Rukumish Patim, elle s'habille de Mitzvot. Tu ne vas pas manger le lait et la viande ensemble. Tu vas faire le Shabbat. Les Kohanim, quand ils vont faire la Avodah dans le Metamidash, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Des choses techniques. Tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler. Donc, elle se traduit dans des concepts qu'on connaît, des concepts matériels. Mais c'est rien pour qu'on ait une compréhension à notre niveau. Que la Torah se concrétise par les mitzvot, par toutes ces histoires, pour que les concepts, c'est en vérité des concepts très très élevés qui s'habillent dans notre compréhension pour qu'on sache comment accomplir cette Torah. Mais en vérité, la Torah, c'est quelque chose de très 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 élevé dont on n'a aucune compréhension du tout. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Chevi, c'est-à-dire qu'elle est prisonnière. La Torah qui est très très grande, elle est prisonnière dans des concepts qui sont très 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 matériels, on va dire, par rapport à ce qu'elle est. Et même dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, qui est en sof, qui est sans limite, de dire tu vas le faire descendre dans ta pensée, c'est comme si tu vas descendre un concept qui est très 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 spirituel, très élevé, tu vas le descendre dans ta pensée, ça s'appelle Chevi, ça s'appelle captif. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu vas rentrer le Yud Kevavke dans ton esprit? Tout simplement d'abord, la première mitzvah, vous savez, du Shulchan Aruch, vous la connaissez?
avant la cacheroute, avant le Shabbat, avant toutes les 113 mitzvot. La première du Shulchan Aruch, pas de la Torah, du Shulchan Aruch. C'est-à-dire le code de loi juive. On commence par le Netilat Yadayim, c'est vrai, toutes les lois de Netilat Yadayim. Mais avant ça, il y a autre chose. C'est ça. Tu aimerais que l'Éternel. C'est Modéani. Juste avant ça. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Je place Dieu devant moi toujours. Ça, c'est la première parole du Shulchan Aruch. Je place Dieu devant moi tout le temps. Voilà. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans tout ce que je dis, c'est la madriga des tzadikim en vérité, mais c'est simple. C'est simple et c'est aussi, ça fait partie du conseil qu'il donne. C'est-à-dire de penser à Hachem tout le temps que tout vient d'Hachem, que je suis entre les mains d'Hachem, que c'est Hachem qui décide ma vie, qui décide que j'ai pris une décision comme ça, une fois que je l'ai prise, c'est Hachem qui a décidé pour moi, que tout est entre les mains d'Hachem, que ma émouna, je devais mettre en Hachem. Et tout simplement, même matériellement, de s'imaginer le yud, le ke, le vav et le he. D'imaginer tout le temps, là, parce que des fois on est dans le bus, des fois on est dans le métro, des fois on est dans un endroit où on ne peut rien faire. Eh bien, on peut faire une mitzvah qui est toute simple, c'est de imaginer le yud, ke, vav, ke, dans notre pensée. Et on est dans une mitzvah. À part la mitzvah qu'on fait, en descendant la pensée de la Kadosh Baruch Hu dans notre esprit, on va faire en sorte que toute notre vie va être beaucoup plus agréable. C'est-à-dire qu'on va gagner la guerre. On va gagner cette guerre qui nous empêche d'être heureux, on va dire. Toutes les choses qui nous empêchent d'être heureuses parce qu'elles sont contre notre volonté, et bien toutes ces choses vont se transformer pour le bien avant de devenir notre volonté. Et c'est un conseil qui est très simple. C'est pas évident. Évidemment, c'est un exercice de la marche à vingt, de la pensée qui est permanente, mais qui en vaut l'enjeu. Alors ce ma, même he, cette valeur numérique de 45, qui représente le nom d'Hachem, c'est aussi ma que l'on dit le matin dans la tfila. Ma korenu, ma hayenu, ma gvuratenu. Il y a un paragraphe qu'on dit dans la tfila du matin. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Qu'est-ce que c'est que notre force? Qu'est-ce que c'est que notre goura, notre puissance? C'est-à-dire que au début de la tfila, on se remet à notre place, si vous voulez. Ça veut dire que on reconnaît que nous, on n'est rien par rapport à la grandeur, à la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Qu'est-ce que c'est que notre force? Qu'est-ce que c'est que notre puissance? Donc si vous voulez, on se remet à notre place de petit test par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on fait ce travail de Emouna que c'est pas nous qui faisons notre vie, c'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui régit et qui dirige notre vie. Et que sans Akadosh Baruch Hu, on pourrait rien faire. C'est-à-dire que même si on réussit, tout notre hatzlacha, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne. Oui, c'est ce qu'on fait, c'est la tefila qu'on fait tous les matins. C'est pas nous. Même si je gagne, même si je réussis, même si j'ai de l'argent, même si j'ai des kavod, même si je vais à boire, tout ça, c'est rien. Quand je pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui me la donne. Alors quand on accepte cette leçon d'humilité dès le matin, tous les matins, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui réussis, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la hatzlacha. À ce moment-là, même s'il y a des choses qui sont contre ma volonté, je vais plus me battre comme auparavant. Je vais pas dire, ah, comment, mais c'est moi, mais c'est le truc, mais tout, c'est moi qui dois me battre. Non, Hachem, il a voulu comme ça. Hachem, il va m'aider. Hachem, il m'a mis dans un problème qui est pour mon bien. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'une fois qu'on revient chez Rabbi Nachman, Rabbi Nachman lui-même, c'est Rabbi Nathan, il dit que quand on... Voilà, il dit que la Elokout, elle rentre dans le cœur de la personne. Quand on vient chez Rabbi Nachman, la présence d'Hachem, elle rentre dans notre cœur. Avant, c'est quelque chose d'abstrait. Voilà, on a de l'Emouna, mais maintenant, ça devient de la réalité. C'est-à-dire que Hachem, il est dans notre cœur tout le temps, et à ce moment-là, tout s'apaise, tout se calme, tout. On rentre dans cette émouna-là, dans cette solution, qu'on n'est plus en guerre.
ni dans la vie, ni dans le travail, ni avec la famille. Tout est soft comme ça. Ça va de soi. On est en harmonie avec HM, on est en harmonie avec la famille, avec la nature, avec le travail. Il est écrit dans le Michelet, Vezé Kola Adam. Michelet, qui a été écrit par Shlomo HaMelech, qui était le plus sage de tous les hommes, il dit, il n'y a rien d'intéressant dans ce monde. Il a fait le tour de tout, puisqu'il était l'homme le plus intelligent. Rien ne vaut la peine de rien. Donc ce que je vous demande, enfin il dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu et de le servir, c'est tout. D'être content et de servir Akadosh Baruch Hu et d'être humble. Et Vezé Kol Adam. Alors il dit, Vezé Kol Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Giot an ar v'shafel. C'est-à-dire que l'homme, il doit tout le temps rechercher l'humilité. Ve'ale deze, on a assez madan la shrina. Et grâce à ça, il devient la résidence d'Hachem. Il devient la résidence de la présence divine. Quand la personne, elle est humble, elle s'annule devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors elle devient la résidence d'Hachem. Parce que Adam, Aleph, Dalet, Mem, 1, 4 et 40, ça fait 45. Et 45, c'est Ma, Vanachnu Ma. Et qu'est-ce qu'on est? On est l'homme, c'est vrai, mais l'homme, il est Ma, il est quoi? Mais il est quoi quand la personne là, se demande je suis quoi par rapport à Kadosh Baruch Hu? Et 40, dans cette humilité-là, alors elle devient le Keli, elle devient la résidence d'Hachem, elle est comme le Beth Amikdash. Comme le Beth Amikdash. Et on dit que la personne qui a Yashla Dea, Baolam Hazeh, une personne qui a le Da'at, la connaissance, la conscience, et on parle de conscience, règle de la présence d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il est l'eau Beth Amikdash Nivna Beyamav. C'est comme si le Beth Amikdash, il était reconstruit de sa vie, de son vivant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que par son humilité, par la connaissance qu'elle a d'Hachem, elle devient comme un sanctuaire. Son esprit devient comme un sanctuaire, puisqu'elle accepte, par son humilité, Hachem, il va résider sur elle, parce que Hachem, il n'aime pas l'orgueil. Et le plus beau sanctuaire, le plus beau keli, récipient pour recevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'humilité. Donc, le but du Beth Amikdash, c'est quoi? Ils vont me faire un sanctuaire et je vais résider non pas dans lui, betocham, sur eux. Ça veut dire que chaque personne qui va faire un sanctuaire dans son cœur et dans son esprit pour la présence divine, alors à ce moment-là, c'est comme si elle était dans le Beth Amikdash. C'est comme si le temple était déjà reconstruit pour elle. Et alors, du temps du Beth Amikdash, pourquoi on a tellement envie que le Beth Amikdash soit reconstruit? Pour qu'il n'y ait plus de guerre, en premier lieu. Qu'il y ait du shalom, qu'il y ait de la simcha, qu'on s'apprécie les uns des autres. Eh bien, la personne qui a cette humilité-là, et qui est une résidence pour Hachem, alors à ce moment-là, elle est dans le Beth Amikdash. Plus rien ne lui manque. Plus rien, elle est heureuse et tout va très bien. Donc c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Quand la personne, elle dit des choses qui sont lo kesedar, qui ne vont pas, il faut qu'il il devienne ce ma-là. Adam, il va devenir ma. C'est-à-dire qu'il doit faire régner Akadosh Baruch Hu dans cette situation qui n'est pas comme lui veut. La certitude que cette situation qui n'est pas comme sa volonté à lui, elle est comme la volonté d'Hachem, qui en chum d'avoir chenassé de mikri razéchalom, parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard razéchalom, et que tout ce qui passe sur la personne dans les moindres détails, Akadosh Baruch Hu, il est tzadik, Akadosh Baruch Hu, il fait le bien, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, ve'akom yitoit barar. Et tout vient d'Hachem. Dans tout ce qui arrive à chacun, Akadosh Baruch Hu, il a prévu dans les moindres détails selon la réparation de la personne. Alors quand la personne, elle prend conscience de ça et elle reconnaît qu'il y a une réparation dans ce qu'elle vit, alors à ce moment-là, dans cette katnout-là où on est, parce que quand on passe par des épreuves,
on est dans une petitesse d'esprit, on est dans un dé à coudre, et dans ce qui s'appelle Katnun Amochin, dans l'étroitesse de l'esprit, et qu'on fait descendre la présence d'Akadosh Baruch Hu, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, dans cette petitesse-là matérielle, dans nos problèmes matériels, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un yihud, une unification entre le haut et le bas. Parce que nous qui sommes très dans une situation qui touche le sol, une situation très matérielle, qui nous rentre dans l'esprit dans une petitesse comme ça, alors au moment où on fait venir la présence qui vient d'Akadosh Baruch Hu, on a les émouna que tout ce qu'on vit c'est lui qui le veut, on unifie le haut et le bas. On fait Yehud, on fait une unification du haut et du bas, de quelque chose de très élevé avec quelque chose de très bas. Et c'est une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, pour unifier le haut et le bas. Et c'est une chose qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire, dont on n'a aucune asaga. On ne peut même pas imaginer la mitzvah qu'on fait quand on est Bayerida. D'ailleurs, Rabbi Nachman parle beaucoup de la Yerida et de la Aliya, de savoir comment se comporter quand on est en haut et quand on est en bas. Au moment où on pense à Akadosh Baruch Hu et on crie vers Hachem qui nous délivre et qui nous sauve de cette situation, et qu'on amène que tout est pour le bien et de lui, et tout vient de lui, alors on fait cette unification-là. Et c'est une chose qui est tellement extraordinaire que c'est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis finalement dans ce monde. Pour faire l'unification entre le haut et le bas. Et à chaque fois qu'on fait une bracha, c'est pour, par exemple, si on fait le chien à colle sur jus, c'est quelque chose de tellement matériel. Mais avec notre bracha, on va faire, d'ailleurs, c'est bien aussi de dire à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, les shem yichud kutchabri roshinte, que ce soit pour l'unification du nom de Dieu avec la présence divine, eh bien, on fait des actions de tzadikim, vraiment. Et on devient comme un sanctuaire pour la présence divine. Et à ce moment-là, il y a la lumière qui rentre dans notre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la lumière rentre dans notre vie? Ça veut dire qu'auparavant, il y avait de l'obscurité. On ne voyait rien. Quand on voit qu'il y a de l'obscurité dans une pièce, on peut trébucher, on peut tomber. On ne voit pas où on va. Et quand la lumière vient, tout est clair. Tout est clair. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de problèmes. Tout est net. On voit les embûches, on les évite. On sait où on est, on sait ce qu'on fait. On est dirigé. Voilà, c'est ça. On a la lumière d'Hachem. Voilà, donc, c'est simple, tout devient clair. Par le mérite de Rabbi, nous avons vraiment que tout s'éclaircit pour nous toutes et pour tout l'âme d'Israël, et que bientôt on se réunisse toutes à Yerushalayim dans le Betamidash. Voilà, qu'on fasse tout le temps la volonté d'Hachem, qu'on ait cette émouna-là et qu'on avance dans la vie avec tellement avec de la émouna qui va nous faire gagner la guerre, et qu'à partir d'aujourd'hui, tout sera, comme on accepte que c'est la volonté d'Hachem, ça sera aussi notre volonté. C'est-à-dire, il n'y a rien qui sera, tout le temps ça sera à Kol Beseder, Ken, à Kol Beseder. Tout va très bien, tout va comme tu veux, bah, Hachem, tout va comme je veux.